Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu, nous allons étudier le traité Sota d'Afrava Vamudbet. Il nous reste une ligne de Chava Vamud Aleph, donc le 26A, la dernière ligne. On va apprendre essentiellement le 26B. La Gemara va expliquer ce qui est écrit dans la Mishnah, donc il parle de la femme Sota, de la femme soupçonnée d'adultère, que le mari met en garde de ne pas s'isoler avec telle et telle personne. Et la Mishnah, elle dit, il y a l'idée que le mari peut mettre en garde avec tous les harayot. Harayot, c'est le pluriel de erva, qui veut dire la nudité. Et donc, ces femmes-là qui sont interdites, qui sont appelées des harayot, ces personnes, ces hommes qui sont interdits, qui n'ont pas le droit d'avoir de relations entre hommes et femmes, qui sont appelés des harayot, comme par exemple le père de la femme, le frère de la femme, si le mari l'a mis en garde, il a dit à sa femme, je ne veux pas que tu vas t'isoler avec ton père ou avec ton frère, eh bien, c'est considéré une mise en garde. Et si après elle s'est isolée avec le père ou avec le frère, eh bien, il y aura tout le processus de la femme sota, elle ira boire les eaux, etc. La Gemara demande, pshita, c'est évident. Pourquoi il y a besoin que la Mishnah nous enseigne ça? Chava vamud bet 26b. La Gemara dit, non, c'est pas évident. Mao de teima, tu aurais pu dire que c'est, pourquoi c'est pas évident? Parce qu'il est écrit, nitmea shnepeamim. Dans la paracha, dans la section qui parle de la sota, il écrit deux fois l'expression de nitmea. Pourquoi il écrit deux fois l'expression de Nitmea, que la femme est devenue impure? Echad le Baal, echad le Baal. C'est pour te dire qu'une fois qu'elle s'est isolée, elle devient interdite au Baal, à son propre mari. Et elle devient aussi interdite au Baal, à la personne soupçonnée d'avoir fait l'adultère avec elle. C'est-à-dire que si le mari est mort, si le mari l'a divorcée avant de la faire boire les eaux de Sota, les eaux amères, eh bien, cette femme n'a pas le droit de se marier avec le Boel, avec la personne qu'elle s'est isolée. Et c'est pour ça qu'il écrit deux fois Nitmea, Nitmea, qu'elle est impure aussi bien pour son mari, elle est impure aussi bien pour l'autre personne, même si elle n'a pas bu les eaux. Donc, qu'est-ce que j'aurais dû de là? J'ai vu que la Torah, elle dit qu'à cause de cet isolement, cette femme devient interdite au Boel, à cette personne qu'on soupçonne d'avoir fauté avec elle lors de l'isolement. Uniquement lorsque cette personne va devenir interdite à cause de l'isolement, on dit qu'il y a le processus de la sota. Mais si la personne est déjà interdite, ici le boel, le mari, pardon, c'est soit le frère, c'est soit le père, ils sont déjà interdits avec cette femme. Eh bien, j'aurais dit, dans ce cas-là, il n'y a pas le processus de la sota. C'est pour ça que la Mishnah a besoin de nous dire. Voyons sur le texte et dans les mots de Rashi, tout d'abord sur le texte. La Gemara dit, vu qu'il y a écrit Nitmea, Nitmea deux fois, qu'une fois c'est pour le Baal, une fois c'est pour le Boel, j'aurais dit, Hei, Chadeka Mitzara Be'aznout, uniquement lorsque la femme devient interdite à travers cet adultère qu'elle a fait lors de l'isolement, à ce moment-là, il y a le processus de la Sota. Avalha, mais dans ce cas-là, vu que la femme elle est déjà interdite au frère, la femme elle est déjà interdite au père, elle est déjà interdite à ses harayot, Oil Vasura, puisqu'elle est déjà interdite, Vikaima, est toujours interdite. Et malo, j'aurais dit que le processus de la sota, il n'y a pas ici la mise en garde, etc. Kamash malan, justement, c'est ce que vient nous enseigner la Mishnah, que même dans les harayot, même comme par exemple le père et le frère, le mari peut mettre en garde, il y aura tout le processus de la femme sota. Voyons sur le texte de Rashi en haut à gauche. Maou de teiman dit mea shnepe amim. Si tu vas dire, vu qu'il est écrit deux fois nit mea, mourim pache, sont dans la section de sota vedashin, alelikaman. Et on interprète ça plus loin pour dire que Echad la Baal ve Echad la Boel, c'est une fois pour que, dire pour que le mari devient impur, une fois pour dire que la personne soupçonnée d'adultère n'aura jamais le droit de se marier avec elle. Donc j'aurais dit, c'est uniquement Echad Mitzera Boel Beastir Amishta Ekra, que le verset parle uniquement lorsqu'elle va devenir interdite au Boel avec cette personne qui s'est isolée. C'est là que le verset y parle de la femme Sota, de Noy Badin Sota, que s'appliquent les lois de la Sota. Aval Hada Sura, mais cela, donc, que ce soit l'exemple du frère ou du père qui sont déjà interdits à la femme. Dans ce cas-là, il n'y aura pas les lois de la sota qui vont s'appliquer. Kamash malan, justement, c'est ce qu'on vient nous enseigner. De riataka, que lorsque le verset il est venu, il dit deux fois l'expression de nitmea, les goufeata. Il est venu pour nous enseigner ce qu'il est en train de dire, c'est-à-dire, littéralement, les goufes pour son corps, pour le sujet même. C'est-à-dire, heicha, de enokarovla, que si c'était pas un proche de mari interdit, sa femme a s'isolé avec Rouven, que Rouven, ce n'est pas un proche de famille. Nassar Allah, l'idée qu'il nous disait, il va devenir interdit par cette mise en garde. Velav limouté kovimata, le verset n'est pas venu pour exclure, pour dire que ceux qui sont proches, qui sont déjà interdits à la femme, il n'y a pas la loi de la sota. Ce n'est pas pour ça que le verset Nitmea, Nitmea, il est venu.
Il est tout simplement venu dire que le Boël va devenir interdit dorénavant à cette femme. Continuons, on avait dit dans la Mishnah qu'avec tout l'arayot on peut mettre en garde, Chutz Mina Katan, à l'exception d'un mineur, d'un enfant, donc quelqu'un qui est moins de bar mitzvah, que bien que c'est interdit, à partir de 9 ans, sa relation est considérée une relation, mais en ce qui concerne donc la mettre en garde, ça c'est à partir d'un enfant, quelqu'un qui a 13 ans, d'où on apprend ça, Mara dit, parce que Isha Mara Hamana, parce que la Torah dans la section de Tzotah dit l'expression de Ish, Rashi nous dit que Isha Mara Hamana, il y a écrit, Veshachav Ishota, qu'un homme va avoir un rapport avec elle, donc un homme, c'est après bar mitzvah, non pas avant bar mitzvah. Veshe'enoïch, la Mishnah dit aussi, celui qui n'est pas un homme, le mari ne peut pas mettre sa femme en garde, ne pas s'isoler avec cette personne-là, She'enoïch, qui n'est pas un homme. La Gemara demande, l'imoutemaï, ça vient sur quoi? Ça vient sur qui? Et l'ima, disons que c'est l'imoutechachouf, ça vient sur quelqu'un qui est en train de dépérir, qu'est-ce que ça veut dire? Rashi nous dit, chachouf, shebesar nishraf, que sa chair est usée, ve'kale. Et elle dépérit, fait yavesh, elle dessèche, fait enbo koach, il est impuissant, il n'a plus de force, donc son membre n'a plus de force. Il peut avoir une érection pour un moment, mais pas pour longtemps. Rashi nous dit, ou be Torah Kohanim, dans le Midrash, sur le livre de Vayikra, qui s'appelle Torah Kohanim, biklalot, lorsqu'on énumère, on explique les klalot, les malédictions qu'il y a dans Parashat Bechukotai. Shanim ou Dugmaton, on a enseigné quelque chose qui ressemble à ça. Qu'est-ce qu'on a enseigné là-bas? Il y a écrit comme ça. Yesh lecha adam shuchol mutal bamita. Il y a quelqu'un, vrai, il est malade. Il est dans son lit. Aval besar shamur. Au moins, sa chair, elle est gardée. Sa chair ne dépérit pas, ne dessèche pas. Besar shamur alav. Talmud l'omar. Le verset dit là-bas dans la malédiction. En plus de ça, et ta shachepet. Shachepet, c'est quoi? La médecine nous enseigne. Che besar nishraf. Le midrash nous dit. Dans Torah de Kohanim, c'est-à-dire que sa chair, elle dépérit. Donc, Rashi veut juste nous dire que shachouf, ça vient du langage, donc, de dépérir. Donc ici, la proposition de la Gemara, elle est, qu'est-ce que la Mishnah voulait dire en disant chez Enoïch? C'est qu'il s'agit de quelqu'un qui est charouf, qui peut avoir une érection uniquement pour un petit moment. Que cette personne-là, si le mari l'a dit, je veux pas que tu t'isoles avec lui, eh bien, ça ne marche pas, parce que c'est Enoïch, et lui, avec lui, tu ne peux pas le mettre en garde. Donc on va utiliser le mot charouf pour la suite, sans le traduire. La Gemara dit, on ne peut pas dire ça. Ve'a mar Shmuel, voilà que Shmuel, il a dit, qu'un charouf, mais kanin aliado. Que le mari peut très bien dire à sa femme, je veux pas que tu vas t'isoler avec ce charouf. Encore une chose, a dit Shmuel à propos du charouf. Ou posel bitouma, il rend invalide la fille d'un Kohen pour manger de la terouma. La fille d'un Kohen a le droit de manger de la terouma. Et ce charouf-là, s'il est quelqu'un que la fille d'un Kohen n'a pas le droit d'avoir un rapport avec lui, eh bien, elle va rendre inapte la fille d'un Kohen pour manger de la terouma. On verra plus tard dans Rashi. Ça peut être un non-juif, Rashi appelle ça donc un idolâtre, ça peut être un mamzer, un natin, un halal, un eved. Donc s'ils ont eu un rapport avec la fille d'un Kohen, et même s'ils sont charouf, eh bien, dorénavant, la fille du Kohen ne pourra pas manger la touma. Alors, en tous les cas, nous n'avons pas la réponse, c'est quoi Enoïch, celui qui n'est pas un homme? Mais avant d'avoir la réponse, la Gemara va s'arrêter sur les paroles de Shmuel, aussi bien sur la première partie qu'il a dit qu'en charouf, le mari peut mettre en garde sa femme de ne pas s'isoler avec un charouf, et aussi bien sur les deuxièmes paroles de Shmuel qu'un charouf, si c'est un non-juif, etc., il va rendre la fille Cohen inapte de manger la touma. Alors Gemara dit, mais kanin al yado, comme Rashi nous dit, mais kanin al yado choulo, etc., que mot va vinan ba, c'est comme on a analysé le sujet, un détail donc des paroles, mais kanin al yado, ça que Shmuel il a dit, mais kanin al yado, qu'on peut, le mari peut mettre en garde sa femme de ne pas s'isoler avec le charouf, pshita, c'est évident. Pourquoi Shmuel a besoin de le dire? La Gemara dit non, c'est pas si évident que ça. Maudeteima, tu aurais pu dire. Le verset dit Veshachav Ishot Ashirvatzera. Qu'un homme va voir un rapport avec cette femme-là, donc la femme soupçonnée d'adultère, donc la Sota, un rapport de semence, il y a écrit. Veha, et lui, le Shachouf, Lav Barachiu, lui, il n'est pas capable d'émettre de semence. Vu qu'il ne peut pas émettre de semence, j'aurais dit dans ces cas-là, c'est pas de cette personne-là que la Torah elle parle, parce qu'il y a écrit Shachav Ishot Ashirvatzera, un rapport de semence. Le Shachav ne veut pas avoir un rapport de semence, il peut avoir une érection pour un petit moment, mais pas de la semence. Donc, le mari ne peut pas mettre en garde sa femme contre cette personne-là, qui a un Shachav, comme ça j'aurais dit. Kamashmalan, justement, ce qui vient nous enseigner Shmuel, que lui aussi, il est inclus, que le Shachav aussi, il est inclus parmi les hommes, que le mari peut mettre en garde sa femme de ne pas s'isoler avec. Après, on prend les mots de Shmuel qu'il a dit, on va analyser les mots de Shmuel qu'il a dit, Posel Bitouma, que le charouf, si c'est quelqu'un
qui n'a pas le droit d'avoir de rapport avec cette fille Cohen. Il va la rendre pasoul, inapte de pouvoir manger la terouma. La Gemara demande, pshita, c'est évident. Voyons Rashi qui va nous expliquer. Ou posel bitruma, que le charouf, qui n'est pas la bonne personne pour la fille Cohen, il la rend invalide de manger de la terouma. Pshita, c'est évident. Rashi explique, imo echal min absulim. Si c'est quelqu'un donc qui fait partie de ceux qui sont invalides, pasoul, hamechal elineta isha, qui rendent profane, qui profane la femme. Qui gagne, comme par exemple Oved Kochavim, littéralement ça veut dire un idolâtre, ça veut dire un non-juif, un Eved, un serviteur cananéen donc qui n'est pas juif, un Halal, quelqu'un qui vient d'issu d'un Kohen, mais qui n'est pas. Donc il est Halal, donc il a été profané, un Natin, donc c'est la famille des Givonim qui sont venus à l'époque de Yeshua pour se convertir de manière rusée alors qu'ils étaient partie des sept peuples qu'il fallait tuer, Yeshua les a punis, qui n'ont pas le droit de se marier avec le peuple juif, après David a renforcé encore cela. Ou Mamzer, donc quelqu'un qui est issu d'une relation illicite, des Kaimanan Bekidushin ou Bibamot, dans le traité Kidushin, le traité Yibamot, on apprend là-bas des Paslea Ishla Bebiyatan, qui rendent invalide, qui rendent pasoul, la femme, la fille Cohen, quand ils ont un rapport avec elle. D'où on apprend ça. Ils rendent la femme même pour ne plus se marier avec un Cohen, si une femme a eu un rapport avec un goy avec un mamzer, etc. C'est pas seulement la fille d'un Cohen qui devient invalide, mais devient invalide dans tous les cas, dans une notion de keuna, de prétise, d'où on apprend ça. Il y a écrit, mais bad Cohen qui tient le Ijzar. Il y a écrit, une fille d'un Cohen qui va être un homme étranger. Alors, littéralement, un homme étranger, c'est bon, si elle est partie se marier, maintenant elle est plus avec son père. Mais dans la Gemara, interprète ça ailleurs, Kevan Shenival, elle est mise chez Zar, etc. Du moment où elle a eu un rapport avec quelqu'un qui était Zar, qui était profane, qui était étranger par rapport à elle. Donc, il s'agit pas seulement qu'elle est partie se marier avec un Israël qui n'est pas Cohen. La Gemara interprète là-bas, ça veut dire qu'elle est partie se marier avec quelqu'un qui est zar, qui est étranger pour elle, qui c'est pas compatible avec ce qu'une fille de Cohen doit se marier. Et bien dans ces cas-là, psala, elle devient inapte. Et Shmuel nous a dit que si cette personne-là c'est un charouf, et bien quand même, c'est un idolâtre, ou c'est un non-juif, ou bien un serviteur, un mamzer, un natin, et bien que cette personne est un charouf, et bien il va rendre invalide cette fille-là a la keuna, a la prétise, elle ne pourra plus manger de la touma si c'est une fille Cohen. Donc, la Gemara demande que c'est pshita, c'est évident. La Gemara dit non, c'est pas si évident que ça, que ce charouf, qui est un goy, mamzer, etc., va rendre la fille Cohen invalide. Pourquoi? Parce que, ou de tema, tu aurais pu dire, la Torah, lorsqu'elle parle d'un Cohen gadol, d'un grand prêtre qui n'a pas le droit de se marier avec des femmes interdites pour lui, comme par exemple une. Femme qui est veuve ou bien une femme qui est divorcée, la Torah dit lo yichal el zaro, il va pas profaner sa descendance. L'expression c'est lo yichal el zaro, il va pas rendre profane sa descendance. Il n'y a pas écrit lo yachal, il y a écrit lo yichal. El Durashi nous dit lo yichal el zaro, mais de l'octave lo yachal, vu qu'il n'y a pas écrit lo yachal avec un seul lamed, il y a écrit lo yichal el avec deux lamed. Darshin an shnei chilulim, on apprend dans la Gemara ailleurs, il me semble dans Tmura. On apprend qu'il y a deux chilulim ici, il y a deux profanations echadla, un pour cette femme-là, que cette femme-là, maintenant, dorénavant, elle devient invalide pour d'autres kohanim, et echadlezara, et un, c'est-à-dire si par exemple elle était veuve, elle n'a pas le droit de se marier maintenant même avec un kohen ordinaire, echadlezara, et un pour sa descendance, que la descendance aussi va devenir halal. En tous les cas, l'expression que la Torah emploie, c'est le echadlezaro, qui ne va pas. Rendre profane sa descendance, zera, la semence, lorsqu'il y a la descendance. Donc, vu que la Torah, elle dit, loichal el zaro, lorsqu'il y a la descendance, amarachman, la Torah, elle dit, donc j'aurais dit, deit le zera, lichal el. Si le charouf, il peut avoir la. Si c'est un. Pardon, pas un charouf. Si c'est un être humain qui peut avoir la zera, qui peut avoir la semence, alors lui, il rend chol, il rend profane aussi bien la femme. Et théoriquement, la descendance, mais il n'a pas. Puisqu'il a une descendance, un zera, il a de la semence. Mais par contre, l'aide de la zera, celui qui n'a pas de zera, comme le charouf, qui n'a pas de semence. Vrai, il a un rapport avec cette femme, il n'a pas de semence. Donc j'aurais dit, l'oli chalel. Ben, il ne la rend pas profane, cette femme. Et donc, si le charouf, un charouf non-juif, il a eu un rapport avec la fille d'un Cohen, j'aurais dit, vu que le charouf, il ne peut pas avoir de zera de descendance, il n'y a pas la notion de l'oli chalel zaro, de rendre profane la descendance zera, puisqu'il n'y a pas de semence. Donc, la fille pourrait encore être cachère pour manger de la terumate, cachère pour un Kohen. Kamashmalan, c'est justement ça que Shmuel vient nous dire. Ce n'est pas comme ça que cette fille-là, s'il a eu rapport avec un charouf qui n'est pas cachère, un non-juif, etc.,
eh bien, elle devient interdite à la Trouma. Voyons sur le texte de Rashi ce qu'on vient de dire. J'aurais dit que celui qui a de la qui a des semences, lui peut rendre profane et aïcha à la femme beviato en ayant un rapport avec elle. Par contre, de l'Azer à celui qui n'a pas de semences, donc l'occurrence de Charou, j'aurais dit que l'Oyechal, il ne peut pas rendre profane la femme. Kamashvalan Shmuel, c'est justement ce que Shmuel vient nous enseigner, de Possel, qu'il dit qu'il rend oui, inapte cette femme-là, Shaminan Lemeha, d'en apprendre ce qu'il a enseigné, de Hama, mais Kanin Ali de Charou, qu'il a dit, qu'on met en garde par un Charou, par donc même avec un charouf. Donc ça, c'était le Shmuel qui nous a dit qu'un charouf, c'est oui, comme tous les autres êtres humains. Donc, on ne sait toujours pas, dans la Mishnah, c'est qui le She'eino Ish, celui qui n'est pas un homme. C'est qui cette personne-là qui n'est pas un homme? Alors, la Gemara propose, elle dit, Ve'ela limuter vel kochalim. C'est quoi, c'est quoi? C'est pour exclure un non-juif. Un non-juif, ici, il t'appelait She'eino Ish, qui n'est pas un homme. C'est-à-dire que le mari, s'il va dire à sa femme, je veux pas que tu vas t'isoler avec telle et telle personne, c'est un goy, eh bien, c'est pas une mise en garde. La Gemara dit, non, on peut pas dire ça. Parce que, ah, ma Rav Amnouna, voilà que Rav Amnouna l'a dit, oh, vet kochavi, un non-juif, littéralement, ça veut dire un idolâtre, donc c'est un non-juif. Mais kanin al yado, on peut, oui, mettre en garde la femme, de pas s'isoler avec lui. Ou posel bitouma. Et le non-juif, s'il a eu un rapport avec une fille d'un Kohen, eh bien, cette fille de Kohen, maintenant, elle ne peut plus manger de la teouma. Donc, en tous les cas, ce n'est pas la bonne réponse pour la personne chez Enoïch, qui n'est pas un homme, que la Mishnah dit qu'on ne peut pas mettre en garde la femme avec quelqu'un qui n'est pas un homme, ça ne veut pas être le non-juif. Vu que Rav Amnouna a dit qu'on peut, oui, faire le kin, on peut, oui, mettre en garde la femme d'un non-juif. Mais avant d'essayer de retrouver la réponse à notre question, c'est qui le Enoïch, la Gemara va s'arrêter sur les paroles de Rav Amnouna, sur ce qu'il a dit qu'un non-juif, et on peut mettre en garde la femme de ne pas avoir de rapport, de ne pas s'isoler avec ce non-juif-là, et qui rend Pasoul de la Touma. Alors, la Gemara demande, mais Kanin al Yado, ça tu as dit qu'un non-juif, on peut mettre en garde la femme de ne pas s'isoler avec lui, pshita, c'est évident. C'est pourquoi il y a besoin de Rav Amnouna pour le dire. La Gemara dit, non, c'est pas si évident de dire, on aurait pu penser qu'un non-juif, y a pas, on ne peut pas mettre en garde la femme de se mettre de s'isoler avec lui. Pourquoi? Ma ou de Tema, tu aurais pu dire, nitmea, shte peamim. On a dans la section de la paracha de Sota, il y a écrit deux fois l'expression de Nitmea. Le raisonnement qu'on va voir ici, c'est le même raisonnement qu'on a eu en haut de la page. Dans la section de Sota, il y a écrit deux fois l'expression de Nitmea, que la femme est devenue impure. Pourquoi? C'est Echal le Baal, Echal le Boel, pour te dire que, une fois, pour te dire qu'elle devient interdite au mari tant qu'elle n'a pas bu les eaux. Et une deuxième fois, c'est pour te dire qu'elle est interdite au Boel, à la personne qu'on soupçonne d'adultère, que si le mari est mort ou si le mari l'a divorcé, elle ne pourra pas se marier avec lui. Donc qu'est-ce que j'aurais dit? Uniquement lorsque la femme devient interdite par cet adultère, à ce moment-là, je dis qu'il y a la notion, les lois de Sota qui s'appliquent. Avalha, mais cette femme-là, qu'elle est déjà interdite, oh, il va sourire avec Kaima, vu qu'elle est déjà toujours interdite aux non-juifs. Il n'y aura pas quelque chose qui va se rajouter maintenant qu'elle va s'isoler avec ce non-juif. Elle est déjà interdite avant de se marier avec le non-juif. Donc, et Malo, j'aurais dit non. La Torah ne parle pas d'un non-juif qui va s'isoler avec la femme juive. Je répète, j'aurais pu penser que vu que la Torah elle nous dit suite aux événements, dorénavant, cette femme n'aura pas le droit de se marier avec cette personne avec laquelle elle s'est isolée. Alors, j'aurais dit, c'est que dorénavant, elle ne peut plus se marier avec lui. Sous-entendu qu'avant, elle pouvait oui se marier avec lui. Dans un tel cas, on peut mettre en garde. Mais imaginons quelqu'un, c'est pas dorénavant qu'on a pas droit, que cette femme n'a pas le droit de se marier avec lui. C'est quelqu'un qu'on n'a jamais le droit d'avoir un rapport avec lui. Donc la femme, elle n'a pas jamais le droit d'avoir un rapport avec le non-juif. Aujourd'hui, ça ne rentre pas du tout dans les lois de la Sota. Justement, Kamashmolan, c'est ce qu'on vient nous enseigner, que quand même, ça rentre oui dans le cadre de la Sota. Et que si le mari l'a dit à la femme de ne pas s'isoler avec un non-juif, elle s'est isolée avec lui, eh bien, il amènera pour boire les eaux de la Sota. Après, Rav Amnouna nous a dit que si le non-juif a un rapport avec une fille Kohen ou Possel Bitouma, il rend inapte, il la rend invalide pour manger de la Touma. La Gemara dit, pshita, c'est évident. Il m'a dit, non, c'est pas si évident. Maoud et Tema, tu aurais pu dire la chose suivante. Le verset dit, ou Bat Kohen qui tient le Isa. Une fille d'un Kohen qui va se marier avec, littéralement avec un homme qui est étranger. L'expression qui est employée ici, il y a écrit qui tient le Isa. Qui tient lorsqu'elle va être.
qu'elle va être à quelqu'un d'étranger, qu'elle va être, c'est-à-dire qu'elle peut être. C'est dur de traduire en français juste le mot être. En hébreu, c'est une havaya. Il y a une metziut, il y a quelque chose ici qui s'est fait entre l'homme et la femme. Il n'y a pas eu juste comme ça qu'ils se sont mis ensemble, mais quelque chose que la Torah, elle considère que c'est une havaya, qu'il y a eu un mariage entre eux. Même un mariage interdit, mais un mariage quand même. Et entre une femme juive et un non-juif, c'est même pas considéré un mariage. Il n'y a pas de havaya ici. Donc j'aurais dit comme ça. Vu que la Torah dit qu'il est Isara Marachmana. Alors j'aurais dit de bar havaya in. Si c'est quelqu'un qui peut avoir une havaya, il peut être avec elle. Il y a un mariage. Mais un mariage pas caché, mais au moins il y a un mariage. Alors là, c'est considéré. C'est considéré donc il y a eu quelque chose, il y a eu un rapport entre les deux. Mais de la baravaya, s'il n'y a même pas cette notion-là, la possibilité de l'être, alors dans ces cas-là, l'eau, ça ne va pas disqualifier la femme de. Ça ne va pas disqualifier cette femme. Kamashmalan, c'est justement ce que vient nous enseigner Rav Amnuna, des passifs qui rend pas saoul, mais des Rabbi Yochanan, comme l'enseignant de Rabbi Yochanan, qu'on va voir dans un instant. Mais d'abord, voyons Rashi. Ou va de Kohen qui tient de Yizar, une fille d'un Kohen qui va être un homme étranger, végan, etc. Ou miné nafkalan, et de là on apprend des psoulin, que les gens qui ne sont pas kachers, donc comme le non-juif, le mamzer, le natin, le halal, le eved, passent le ishabe biyatan. Ils rendent invalide la femme à un Kohen lorsqu'ils ont un rapport avec elle. Maintenant, au bout de Ab, que la Shana Vaya, vu que la Torah, comment elle l'emploie cette manière-là, d'avoir un rapport avec la femme, avec l'expression de Havaya, donc, qui tille, être, Nidrosh, nous on va interpréter, on va dire comme ça, de Itle Havaya, il faut qu'il y a ici une Havaya, qu'il y a quelque chose, Mishikidushin Tov Simba, il faut qu'au moins, il y a des Kidushin, le mariage, qui littéralement, qui saisit, qui peut y avoir une notion de mariage, qui donne Mamzer, par exemple, un Mamzer, qui est issu d'une relation illicite. Vrai, la Torah interdit à cette femme, une femme qui est cachère, de se marier avec un mamzer. Mais la Torah considère quand même ça un mariage interdit, mais c'est quand même un mariage. Un natim de même halal, passé, ils rentrent pas soul. Donc eux, ils rentrent pas soul, qui tient les ijdar. S'il y a une havaya, il y a un mariage, même un mariage qui n'est pas cachère. Mais il y a un mariage. Que la Torah dit qu'il ne veut pas que ce mariage soit interdit, mais quand même la Torah considère ça un mariage, alors eux, et uniquement eux, vont rendre la femme pas soule, vont rendre la femme invalide. Aval oved kochavim ve'eved. Mais le non-juif et le serviteur, aren ki behema, ils ont la même loi qu'un animal. La même manière que si un animal a eu un rapport avec cette femme, ce n'est pas appelé un mariage. La même manière aussi si un non-juif ou un serviteur a eu un rapport avec cette femme, la Torah n'appelle pas ça un mariage. Donc, j'aurais dit, vu qu'il n'y a pas eu de Havaya, il n'y a pas eu vraiment de rapport entre cette femme et l'homme non-juif, parce que ce n'est pas considéré un mariage. Donc, j'aurais dit que la femme Cohen, elle n'est pas devenue pasoule par cela, elle n'est pas devenue invalide. Non, à la fin de Rashi, Rashi vient nous rajouter. D'où on apprend ça? Oved kochav imen lo kiddush. On apprend qu'un non-juif, il n'a pas de kiddush, il n'a pas de mariage avec une femme juive, Beyisrael, avec un juif d'Ektiv, il est écrit, Ish asher inafateshed re'eu. Il écrit un homme qui va faire l'adultère avec la femme de son ami. Vetanya besaned, on enseigne notre besanedrin. Prat le eshet nochis, c'est-à-dire exclure la femme d'un non-juif. Si la femme d'un non-juif, ça ne s'appelle pas donc asher inaf, qu'il a eu un adultère avec elle, vu qu'il n'y a pas de notion de mariage entre le juif et la femme du non-juif. Et ça va dans le même sens, dans l'autre sens aussi, entre la juive et le non-juif. Alma, donc on voit, let lo ishut, il n'y a pas cette notion de mariage, il n'y a pas de notion de ishut, c'est même pas la notion de mariage, même entre le non-juif et sa femme non-juive. Maintenant, Eved, en ce qui concerne le serviteur, il y a écrit qu'Avram leur a dit, restez là, imachamor, c'est son serviteur, avec l'âne, tivbeo, il était comme ça. Donc on apprend de là que c'est comme un âme à domer la chamor. C'est un peuple, donc le serviteur c'est un peuple, qui ressemble sur le plan halakhique de la loi, comme l'âne. Donc l'âne, il n'y a pas de notion de rapport, de relation avec elle, avec un âne, de la même manière aussi. Donc avec le serviteur, il n'y a pas cette notion-là de mariage et de divorce, etc. Donc en tous les cas, qu'est-ce qu'on voit, qu'est-ce qu'on aurait pu penser, je répète oralement, on aurait pu penser que vu que la fille Cohen, elle n'a pas de mariage avec le non-juif, alors vu qu'elle n'a pas de mariage avec le non-juif, eh bien, elle ne va pas devenir pasoule de manger la touma, parce que la Torah dit qu'il tille les ijdar. Si elle va être avec quelqu'un qui lui est étranger, qu'elle n'a pas le droit avec elle, mais il faut au moins qu'il y ait une havaya,
Justement, c'est ce que Rav Amnon vient te dire. Bien qu'il n'y a pas de havaï et pas de notion de mariage chez le non-juif, mais quand même, il y a, elle devient interdite à la terouma. Non, d'où on apprend ça qu'elle devient quand même interdite à la kéouna, à la terouma. Mais de Rabbi Yochanan, c'est le Rabbi Yochanan. C'est quoi l'enseignement de Rabbi Yochanan? Ah, ma Rabbi Yochanan, mishum Rabbi Ishmael. Rabbi Yochanan, au nom de Rabbi Ishmael, minna inovet kocham ve'eved. D'où on sait que si un non-juif, si un serviteur, chez Ba ou à la Kohen, qui ont eu un rapport avec une fille Kohen, vers la Lévia, une fille Lévite, vers le Bat Israël, une fille d'un Israël, chez Psaloua, qui l'ont rendu inapte, que maintenant elle ne peut plus se marier avec un Kohen, chez Neymar, d'où on apprend ça, parce qu'il est écrit. Elle est inapte de manger de la terouma, donc elle ne peut plus manger de manger de la terouma, elle ne peut pas se marier avec un Kohen non plus. D'où on a c'est ça, Shenem, elle est dit, Uvat Kohen qui tient Almana ou Grusha. Il y a écrit une fille d'un Kohen. Pour la généralité du sujet, c'est pas important tellement pour ici, le verset il dit qu'une fille d'un Kohen, donc elle peut, quand elle est chez son père, elle mange de la terouma, donc de la dîme qui est spécialement pour le Kohen. Après, lorsqu'elle va se marier, si elle se marie donc avec quelqu'un qui n'est pas Kohen, elle ne peut plus manger de la terouma. Maintenant, la Torah dit que si elle va devenir veuve, donc se marier mort, ou bien Groucha, divorcée, son mari l'a divorcée. Si elle n'a pas de descendance, eh bien à ce moment-là, elle peut repartir chez son père Cohen, et à ce moment-là, elle va remanger la Touma. Donc l'expression que la Torah emploie, elle dit qu'il tire Almano Groucha, qu'elle est devenue veuve ou divorcée. Si veuve ou divorcée, dans ce cas-là, elle repart chez son père. Donc il faut qu'il y ait une notion de veuvage, une notion de divorce. S'il n'y a pas la notion de veuvage ou divorce, eh bien, elle ne repartira pas chez son père. Voyons. Uvat kotun ki tia almano grusha. Mishi yesh lo almano dve girushin. Celui qui a la notion de veuvage et de divorce. Bah, dans ces cas-là, elle repart chez son père. Yatso vet kochavim ve eved. Ça vient exclure si c'est un non-juif ou un serviteur. Chez elle almano dve girushin ba. Vu qu'il n'y a pas de mariage, donc c'est considéré juste qu'elle a eu un rapport avec lui. Et juste un rapport avec lui sans devenir veuve maintenant. Parce qu'elle n'était pas mariée, donc elle n'est pas veuve non plus. Mais s'il a renvoyé, c'est pas des girouches et c'est pas un divorce non plus. Donc dans ces cas-là, que si elle était avec un Eved Kochavim, donc avec un non-juif ou bien avec un serviteur, eh bien à ce moment-là, donc elle ne peut plus manger de la terouma. C'est uniquement si elle quitte quelqu'un qui l'a rendu veuve, quelqu'un qui l'a divorcé, d'après le plan halakhique, à ce moment-là, elle peut continuer à manger de la terouma. Mais si elle a juste un rapport avec un goy, eh bien dans ce cas-là, elle ne pourra plus manger de la terouma. Rashi qui nous explique ce qu'on vient de voir. Mishigash la manot vegirushin ba. Celui uniquement qui peut la rendre veuve, celui qui peut la rendre divorcée. Ou, dans ce cas-là, drien lazer, qu'on dit que si elle n'a pas de descendance humaine ou de lui, dans ces cas-là, veshav al betavia, qu'elle va repartir à la maison de son père. Milachem aviator, elle va manger du pain de son père, c'est qu'elle va manger du pain de la terouma, qui est du Kohen. De le pas de bebiato, parce que cette personne-là, c'était un mariage que la Torah elle permet, et qu'après, donc, elle a rendu cette personne, cette femme, cette fille devient almana, veuve ou bien divorcée, elle repart chez son père. Et yad savet kochavim ve'evet, ça exclut si c'est un serviteur, c'est un idolâtre, donc un non-juif ou bien un serviteur. Chez en almanot ve'girushin ba, qu'il n'a pas la notion de veuvage ou de divorce. Pourquoi? Chez otav soba kidushin, parce que le mariage n'a jamais existé. Ou kshemet, lorsque ce goy ou ce serviteur est mort, en shemal manot alea, cette femme n'est pas devenue veuve. C'est la raison pour laquelle, vu qu'elle n'est pas devenue veuve, donc elle ne peut pas repartir chez son père. Juste elle a eu un rapport avec un goy. Juste elle a été divorcée, juste elle est partie du goy, mais elle n'a pas été divorcée parce qu'il n'y avait pas de mariage. Point. Narash nous dit, au bimabot de parir, dans le traité Ibamot, on demande, et il m'a des coulas. On pourrait très bien expliquer ce verset-là pour être indulgent envers cette femme. On aurait pu dire le contraire. Uniquement celui qui la rend veuve, celui qui la divorce. On dit, si la femme n'a pas de descendance, ah, dans ce cas-là, elle peut repartir chez son père pour manger. Et si elle a de la descendance, elle ne pourra pas manger. Si elle a des enfants, si elle s'est mariée avec quelqu'un, donc elle avait le droit de se marier avec lui. Elle est devenue veuve ou elle a été divorcée. Vu qu'elle a des enfants de lui, eh bien, maintenant, elle ne repart pas chez son père. J'aurais pu dire, « Dechriet la zera, l'otikou, la falovet kochavim ve'eve, mais si c'est un non-juif ou un serviteur, même si elle a la descendance, elle pourrait quand même manger. J'explique oralement. On aurait pu dire comme ça. La Torah, elle dit, il faut voir tout le processus dans tous les détails. La Torah, elle dit,
Cette fille-là, elle était Cohen, elle pouvait manger la Touma. Elle était mariée maintenant, elle ne peut plus manger la Touma. Elle n'a pas eu d'enfant, ok. Le mari l'a divorcée ou bien il est mort, elle peut repartir chez son père à manger. Elle a des enfants, même si le mari l'a divorcée, même si le mari est mort, elle ne peut plus repartir manger la Touma de son père. J'aurais pu dire, la Torah veut le dire, mais si la femme, elle n'est pas devenue almana, elle n'est pas devenue grusha, pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas un vrai mariage. Alors dans ces cas-là, même si elle a des enfants, donc d'un non-juif, eh bien elle pourrait repartir chez son père. Pour ça, on pourrait très bien expliquer aussi le verset. Et ça, on aurait été indulgent avec cette femme-là. Elle a des enfants, ah mais c'est d'un non-juif, ah! Elle n'est pas devenue veuve, elle n'est pas devenue divorcée. Elle peut manger de la Touma, elle peut repartir chez son père. Pourquoi on ne dit pas ça? Rashi ne dit pas la réponse. Il juste nous dit, Vehata là-bas, il répond ça. Dans le traité, alors s'il y a ici, c'est Be'aba Libimto, mais c'est pas juste, vu que dans sa mère tête, il n'est pas dans Be'aba Libimto. Il est dans Almana le Kohen Gadol, le chapitre qui s'appelle Almana le Kohen Gadol dans le traité Yibamot. En tout cas, Rashi nous dit, ce qui nous intéresse, il revient sur notre sujet, ou Miu Shamin al Nemeha, en tout cas, on déduit de là, de Mekan al Ido Kochavim, qu'on peut, oui, mettre en garde par lorsqu'il s'agit d'un non-juif. Continuons de la Gemara. Donc, on revient à notre question, Ve'el Alimut Emaï? Être humain, on vient de Turquie. Il a dit, ça vient exclure un animal. Quand ça se concerne un animal, il n'y a pas de notion de prostitution lorsque la femme va s'accoupler avec un animal. Rashi, Ve'eila, Mishéino Yish de Matnitin, donc il y a qui, ce qui n'est pas un homme dans le Mishnah, Limute, Maï, ça vient exclure quoi? Réponse, Limute Behema, ça vient exclure un animal. Si le mari l'a dit à la femme, je veux pas que tu vas t'isoler avec tel animal, eh bien, c'est pas considéré un kinouï, c'est pas considéré une mise en garde. Pourquoi? De Enznout li Behema, il n'y a pas la notion de prostitution en matière d'accouplement avec un animal. Enana, cette zone-là, elle ne devient pas prostituée, bibila, en étant, si on a couplé avec un animal, enana, elle ne devient pas interdite à son mari, bien qu'elle est punie pour ça, dans tous les cas, elle ne devient pas interdite à son mari pour ça. Maradi, Amar, les Ravami Parzakia, Rava de Parzakia, il a dit les Rava chez Ravashi, Mina milta damu rabanan. Je vais te dire, d'où vient cette loi que les sages ont dit que qu'il n'y a pas de notion de prostitution lorsque si quelqu'un s'accouple avec un animal. Il est dit, la Torah, elle dit en ce qui concerne donc les choses qu'on amène au Beth Amidash, les sacrifices qu'on amène dans le Beth Amidash, tu vas pas apporter le salaire d'une prostituée, la compte-valeur d'un chien. Qu'est-ce que ça veut dire le salaire d'une prostituée? Rashi nous dit, Natan quelqu'un qui a donné donc, à une prostituée en salaire, Betnena, donc c'est le salaire d'une prostituée, il lui a donné un talet, il lui a donné un agneau. Cet agneau-là, tu n'as pas le droit de l'amener au temple. De même, Mechir Kelev, c'est-à-dire Herlif Kelev Betale, c'est quelqu'un, il a échangé, il avait un chien, il a échangé à la place, il a pris un, il a échangé avec quelqu'un d'autre, il a pris l'agneau. Cet agneau-là, il n'a pas le droit de l'amener en sacrifice au temple. Donc, ça, c'est deux choses que la Torah interdit. Je souligne que c'est ces deux choses-là, parce que à la fin du verset, il y a écrit, que c'est l'abomination de Dieu, ces deux-là, donc ces deux choses-là, aussi bien le salaire d'une prostituée, donc cet agneau, et aussi bien, Mechir Kalev, l'échange, donc la contre-valeur d'un chien, donc qui était échangé par cet agneau-là. Ok, et alors, en quoi ça, où est-ce qu'on voit ici qu'il n'y a pas de prostitution dans un animal? Voyons, fait Tanya, on enseignait dans une Braïta, à propos, dans une Mishnah, pardon, c'était enseigné en ce qui concerne donc ce verset-là. Tanya sont enseignés dans une braïta, juste un instant. Ok, dans le traité Yibamot, il y a écrit Utsnan. Donc, Tanya enseigné dans une. C'est pour ça donc, on a dit dans une Mishnah, on enseigne dans une Mishnah, Etnan Kelev Umchirzona. Parce qu'il s'agit donc d'un Etnan Kelev. S'il s'agit d'un salaire qui est donné pour un chien. Qu'est-ce que ça veut dire? Rashi etnan kelev. Chez im adam omer le zona, quelqu'un il a dit à une prostituée, il a dit, helir tale, prends cet agneau, veibali le kalbi, et accouple-toi avec mon chien.
Ou bien Mechirzona, continue Rashi, Mechirzona, la contre-valeur d'une prostituée. Haïtalo Shifrazona. Il avait une servante qui était aussi prostituée. Vechrifa Betala, il a échangé contre un agneau. Mais des kamar etnan kelev muta. Et la suite de la Mishnah, elle est que c'est permis. C'est deux choses-là qu'on vient de dire, que ce soit le salaire qui a été donné pour le chien, pour la prostituée, un rapport avec le chien, ou bien la contre-valeur de la prostituée, tu as le droit de l'amener au temple. De fait qu'on dit etnan kelev muta, miklal, de ça j'apprends. Des larves de tout, on apprend ça que c'est pas une prostitution. Des iznuta, parce que si c'était considéré une prostitution, iznutu, avachay el alashem etnan, il y aurait le nom d'une salaire, d'une prostitution, que la Torah leur dit, n'amène pas ça dans le temple. Donc le fait que la Torah ne dit pas que c'est interdit, c'est-à-dire que c'est pas considéré une prostitution. Donc, si une femme, elle a eu un rapport avec le chien, donc elle a eu un rapport avec un animal, eh bien la Torah considère pas ça une prostitution. Donc, « enzdut bebehema ». Donc, continuons la Gemara. Ok, dans tout le cas, on a vu toutes les choses s'est réglées. Maintenant, on a compris, c'est Koach et Inouïch qui n'est pas un être humain, c'est un animal. Bien. Maintenant, on va revenir sur ce qu'on a dit tout à l'heure. On a parlé du charouf. Le charouf, il ne peut pas avoir de shivat zera, il ne peut pas avoir de semences. Pourtant, la Torah, elle dit, dans la section de Sota, le charouf, il shota shivat zera, qu'un homme va avoir un rapport avec elle, un rapport de semences. Mais le charouf ne peut pas avoir de semences. La Gemara demande dans ce cas-là, vers la shivat zera l'amali. Pourquoi la Torah, elle dit, shivat zera, rapport de semences, rashi, vers la shivat zera l'amali. Kevin d'Abraham, mais kanimali de charouf, puisque tu as dit qu'on peut, oui, mettre en garde, même si c'est un charouf, pourquoi il y a écrit Shirvat Zera? Mara répond, ben, on en a besoin. L'île d'Italie, il a commencé dans une braille, Shirvat Zera, l'expression dont il y a un rapport de semence, prat et davar acher, ça vient exclure autre chose des lois de Sota. Mara demande, ben, davar acher, c'est quoi cette autre chose? C'est quoi le suspense qu'on nous fait ici? On dit autre chose. Alors, Mara Rav Shashet répond, il dit, prat, ça vient exclure les shikin et la shelokedaka. Si quelqu'un, il a mis en garde sa femme, il lui a dit, je veux pas que tu vas avoir de rapport avec telle et telle personne, de manière contre-nature. Donc s'il a dit uniquement ce rapport-là, il est interdit, eh bien dans ces cas-là, c'est pas considéré une bonne mise en garde. Rashi, le shikin et la shalokedaka, si il a mis en garde de ne pas avoir de rapport de contre-nature, il lui a dit, altisati imo, je veux pas que tu vas t'isoler avec tel et tel, leibad, pour avoir un rapport, shalokedaka, contre-nature. Dans ce cas-là, ce n'est pas considéré un Shirvat Zera. Comme ça, Rav Shashet dit. Rav n'est pas d'accord. Amar le Rav, Rav il a dit Rav Shashet. Sheloke Daka, si il a un rapport donc, contre nature, c'est aussi considéré un rapport. Pourquoi? Parce que lorsque la Torah interdit que des hommes vont avoir un rapport entre eux, la Torah dit que les hommes vont pas avoir un rapport entre eux, comme Mishkeve Isha active, comme un rapport Mishkeve au pluriel de femmes. Sous-entendu que la Torah met sur le même pied d'égalité un rapport naturel et contre-nature chez la femme. Donc c'est deux rapports sont considérés avoir un rapport. Rashi, Mishkevei Ish Aktiv, Hukshu Shnei Mishkevoter. Les deux manières d'avoir un rapport avec la femme sont comparées au même pied d'égalité, le Chol Dvarim pour tout. Donc, Vekelan Neseret Alav, vu que la femme devient interdite au mari, Amaylo avec Kinouy, pourquoi ce ne serait pas considéré une mise en garde s'il lui a dit je ne veux pas que tu t'isoles avec lui pour avoir un rapport? Chez Lokedaka, si c'est pas que c'est contre nature, même si la femme a eu un rapport avec cette personne-là, contre nature, c'est considéré avoir un rapport. Vu que c'est considéré avoir un rapport, c'est considéré donc une isolation qui peut mettre tout le processus de la sota, puisque c'est considéré 100% un rapport, il n'y a pas de différence si c'est nature ou contre nature. C'est la raison pour laquelle Rava donc il a objecté l'opinion de Rav Shashet, il dit son opinion à lui. Et là, Rava il dit, Prat, quand la Braïta elle dit, Prat et Davarach, ça veut exclure quelque chose d'autre. C'est les shikin et la derchevarim, c'est l'excure. Si il a mis en garde sa femme de ne pas avoir des attouchements corporels avec un autre homme, c'est-à-dire s'allonger avec lui, donc d'avoir donc que ces membres de l'un vont toucher les membres de l'autre, donc littéralement ça veut dire contact par le biais d'organes de l'homme, de l'autre homme et de sa femme. Donc comme Rachel va nous dire en quelques instants, c'est-à-dire qu'ils s'allongent ensemble avec un contact corporel. Il lui a dit ça, ce que je veux pas que tu veux avoir avec lui. Donc, il lui a pas dit de pas, qu'il la met en garde de pas avoir de rapport avec lui. Il dit juste, je veux pas que tu t'allonges avec lui, que tu vas pas avoir des attouchements corporels. Le contact par le biais d'organes. Amar le Abaye, il a dit à Rava, désolé, je suis pas d'accord ta réponse. Ça, ce que tu viens de dire maintenant, des attouchements corporels, puis tsuta be'almaï.
C'est simplement de la lascivité. C'est vrai, un très mauvais comportement. Mais est-ce qu'au pitsuta miyasa rachamana, est-ce que ce mauvais comportement, ça, la Torah dit qu'à cause de ça, la femme va être interdite au mari? Rashi, derech evarim pitsuta be'almaou. Rashi explique c'est quoi le derech evarim, donc par attouchement corporel, shochev ima, il s'allonge avec elle, bekiruv basar, dans la chair, donc il est proche l'un de l'autre. La pitsuta miyasa mikasa rachamana. Ishalbala, est-ce que la Torah elle a interdit la femme à son mari, Behari, par cela, par des attouchements corporels? Non? Donc, vu que la femme ne devient pas interdite, si elle a des attouchements corporels avec quelqu'un d'autre, elle ne devient pas interdite à son mari par cela. Pshita de l'aftinouyou, ça c'est évident. Ce n'est pas une mise en garde. Donc, si le mari l'a mis en garde, pas avoir des attouchements corporels, ce n'est pas une mise en garde. Il n'y a pas besoin que la Torah vienne nous dire Shirvatzera. Rapport de semence pour nous exclure ce cas-là, parce que ce cas-là, de toute façon, c'est sûr qu'il ne va pas rendre la femme interdite. Donc, Abaye n'est pas d'accord avec la réponse de Rava. C'est pour cela, il a marre Abaye, et Abaye donne une autre réponse. Il dit, ça vient exclure le shikin et la benishika. Ça vient exclure le cas où il a mis en garde sa femme contre un attouchement d'organes génitaux. Littéralement, benishika, ça veut dire embrassade. Ici, embrassade, ça veut dire un contact entre l'organe génital mâle et l'orifice de la femme. Comme Rashi dit Binishika, c'est que Mashika Shamash, littéralement, c'est qu'il embrasse, le Shamash c'est le membre donc de l'homme, donc l'organe génital mâle, Be'otom Makom, dans cet endroit, l'endroit intime de la femme, donc l'orifice de la femme. Donc s'il a dit à la femme, je ne veux pas que tu aies juste une Nishika, donc c'est une embrassade qu'on vient de dire maintenant avec cet homme-là, eh bien, ça c'est exclu, parce que c'est pas Shirvat Zera, comme ça Abaye veut nous dire. Dans la Gemara, va discuter sur cette explication-là de Abaye. Pourquoi? Parce que c'est pas évident de dire que juste Neshika, juste un attouchement d'organes génitaux, que ça, ça va pas être considéré un rapport littéralement. Parce que d'après une opinion, on va voir tout de suite que c'est oui considéré un rapport à 100%. La Gemara va dire comme ça. Ha, nichal man de Amar, ce que tu viens de dire, toi, Abaye, ça vient d'après celui qui dit, d'après l'opinion de Amar qui dit que Ara, ça s'appelle avoir le début d'un rapport. Qu'est-ce qui est considéré le début d'un rapport? C'est une opinion qui dit, c'est Achnasa Tatara. C'est l'insertion de la couronne. Ce qu'on appelle ici la couronne, c'est l'arête entourant le membre à partir de laquelle il va en se réduisant jusqu'à son extrémité. Donc ça, c'est une opinion qui dit, Ahara, c'est quoi? C'est l'insertion de la couronne. Il faut que ça soit inséré. Aval Neshika. Mais si c'est juste l'attouchement d'organes génitaux, Velokrumi, ça compte pour rien, c'est rien. Alors si on dit ça, je peux comprendre ce que Abaye nous dit. Il nous dit, Atekanemute Neshika. C'est pourquoi le verset vient exclure l'attouchement d'organes génitaux. Il nous dit, tu sais, s'il y a juste eu, si l'homme, il a dit à la femme, je veux pas que tu vas avoir un rapport. Il n'a pas dit, je veux pas que tu aies un rapport. Il dit, je veux pas que tu vas avoir d'attouchement d'organes génitaux. Alors, dans ces cas-là, on peut comprendre que la Torah dit, non, si le mari l'a dit ça, c'est bon, c'est pas une mise en garde. On est même maître, on exclut ce cas-là. C'est ce qui, justement, en disant Shirvat Zera, pour exclure, si le mari l'a dit, je veux pas que tu vas avoir d'attouchement d'organes génitaux, c'est pas une bonne mise en garde. Pourquoi? Parce que d'après cette opinion-là, la hara, le début d'un rapport, c'est l'insertion. Donc, s'il n'y a pas eu d'insertion de la couronne. Mais la Gemara dit, la demande est amar. Mais d'après celui qui dit que hara, c'est quoi avant le début d'un rapport? Zone shika. C'est, comme on l'a dit littéralement, c'est l'embrassade, c'est l'attouchement d'organes génitaux. Alors, d'après eux, d'après cette opinion-là, maïka le même. Qu'est-ce que tu vas dire? D'après cette opinion-là, c'est considéré la neshika, l'embrassade, l'attouchement d'organes génitaux, c'est considéré avoir un rapport déjà. Et c'est considéré avoir un rapport. Alors, comment le mari peut dire, dans ce cas-là, où le mari l'a mis en garde, dans un tel cas, juste de ne pas avoir d'embrassade d'organes génitaux, ah, c'est pas une bonne mise en garde. Bien sûr que c'est une bonne mise en garde, parce que c'est considéré un rapport. Rashi. D'après celui qui dit que Neshika veloklum, qu'avoir un rapport d'organes génitaux, c'est rien du tout. C'est ça que le verset vient dire. C'est ça que le verset vient exclure. De l'otemara, il ne dit pas que ça c'est considéré le début d'un rapport. Et la demande est amar. D'après celui qui dit, bibamod, dans le traité ibamod, que ara murabator, le début d'un rapport qui dit dans la Torah, shikigmarbia, le début d'un rapport c'est considéré, bechola araya, dans toutes les femmes interdites, c'est considéré comme la conclusion d'un rapport, même si c'est seulement le début d'un rapport, qui dictive, comme il y a écrit, Et Mekora Era. Il a découvert sa source, Et Shero Era. Sa proche parente, il a découvert. Zoneshika, il y a chaque fois qu'il écrit cette notion de Era, donc de début de rapport, de Ara. Zoneshika, c'est juste l'attouchement d'organes génitaux. Après, Maïka le Meimar.
Qu'est-ce qu'on peut dire? C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on peut dire? Hechimatzit le meima, comment tu veux dire, toi, Abaye, de Atakra, que le verset vient l'imouta, pour exclure ce cas-là, qui a eu seulement un mise en garde pour d'attouchement d'organes génitaux. Halo kikmar biyaï le choldava, c'est considéré comme la conclusion d'avoir un rapport à 100%, chutz mishifra chauf, à l'exception d'une femme qui est. Mishifra chauf, c'est une certaine sorte de servante, que pour elle, c'est pas comme ça. Bon, en général, dans tous les autres cas, c'est considéré comme un rapport à 100%. Alors, c'est pour ça que l'Agmara dit, le hall, le chikin la derechevarim, on revient à ce qu'on a dit avant. Le mari l'a mis en garde de sa femme, il lui a dit, je veux pas que tu vas voir un... Je veux pas que je te mets en garde de pas t'isoler avec telle personne, pour pas avoir des attouchements corporels. Alors, pourquoi j'aurais pu penser que ça c'est oui considéré une mise en garde et que la Torah a besoin de dire non, shir vatzera, pour te dire que c'est pas une mise en garde. Parce que au de théma, t'aurais pu dire, pide de bal, tani rachmana. La Torah, elle fait dépendre ça de l'opposition du mari, si le mari est en colère sur ça ou pas. Ça dépend de lui. Il faut voir qu'est-ce que le mari a dit à la femme, qu'est-ce qu'il met en garde. Ou bala kakapid. Il dit, ce mari, il s'oppose. Il dit, attends, je veux pas que tu t'isoles pour avoir des attouchements corporels avec lui. Et donc, vu que le mari s'est opposé, donc ça serait oui considéré un kinouille. Une mise en garde. Kamashmalan, c'est justement pour ça qu'on a besoin de rajouter le mot Shirvatzera pour nous dire que si il a juste dit de ne pas avoir des attouchements corporels, c'est pas considéré un kinouille, donc il n'y aura pas tout le processus de la femme sota. Concluons avec le Rashi, Big Pida de Baal, Talia Dictil, comme il est écrit, Vikine, ou Baal, ou Vikine, il y a écrit que le mari va mettre en garde. Ou Baal, on voit ici que le mari, Achazine, on voit. Chazine, on voit de Kapil, que lui, il est opposé, Kinela, Alkar, vu qu'il a mis en garde sur ça. On te dit, non, même si le mari l'a mis en garde sur ça, c'est pas considéré une mise en garde. On apprend ça du verset du seul que la Torah a ajouté, Shir Vatzerak, c'est un rapport de semence. Conclure avec une halakha donc, qui se trouve aussi bien dans le Rama, mais dans Shulchan Aruch, aussi bien dans le Shulchan Aruch, Reven Ezer Siman Vav, c'est Yvret, aussi bien dans le Rambam, dans Issour et Bia, Perikutret, Alachabet, un goy ou un serviteur qui ont un rapport avec une fille juive, elle est considérée une zona, une prostituée, et elle n'a pas le droit de se marier avec un Kohen. Un sujet de Chassidut, on a parlé de Bat Kohen, de la fille d'un Kohen. Dans le Zohar, c'est ramené que Bat Kohen, c'est la Neshaba d'un juif qui est appelée la fille d'un Kohen, tu as Kadosh Baruch Hu, c'est un Kohen, Admorazakan aussi donne cette expression-là dans le Tanya, Perik Lamed Dalef. Pas en ce qui concerne le Bat Kohen, mais en ce qui concerne la Neshama. Quand la Neshama se purifie, le Shaval Betavir qui nous réa, c'est la suite du verset, que, donc si elle devient le Mana ou Grusha, si elle devient veuve ou divorcée, qu'elle repart à la maison de son père. Donc la maison de son père, c'est Akadosh Baruch Hu, elle repart là où elle est. Donc la Neshama, elle veut repartir chez Akadosh Baruch Hu. Donc le Zohar, c'est un concept, il explique le verset. On peut peut-être expliquer le verset, je ne dis pas que c'est comme ça, je n'ai pas lu dans Chassidut, mais basé sur ça, qu'au Bat Kohen, qu'une fille d'un Kohen qui techa l'isnat, si elle va prostituée dans Chassidut, c'est expliqué. Le cas, c'est-à-dire, si elle va prostituer, la prostitution d'un juif, c'est quoi lorsqu'il va voir ailleurs? Alors que Kadosh Baruch Hu, c'est son mari, et la femme va voir ailleurs, donc le juif va voir ailleurs, alors qu'il bat Kohen, la neshama d'un juif. Donc un juif qui est là, qui techalise dans Chassidut Shalom, il va aller voir ailleurs, et ta vie, il me chalal, c'est un chiloul, donc c'est une profanation pour Kadosh Baruch Hu, puisque c'est une bat Kohen, c'est une fille d'un Kohen, c'est lié avec Kadosh Baruch Hu à chaque instant. Et un juif, il doit tout faire pour pas Chassidut Shalom, à Sharatem Zilman, ne pas être zoni macharem, comme on dit, dans le tatour, de ne pas se détourner derrière nos yeux, derrière notre cœur, qu'on est zoné, de zoné dans le sens de prostituer, dans le sens d'aller ailleurs, mais toujours rester avec Akadosh Baruch Hu, à chaque instant, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, dans chaque action, chaque pensée, dans chaque parole qu'un juif y fait, qu'on voit comment il est attaché avec Akadosh Baruch Hu, et par cela, amener Mashiach, now, excellente journée.